Le chef. Oui. La oui. 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 Tu as vu là. Quand vous voulez qu'on vous rencontre, on veut le champ là. Où sont tes parents? Ah. Il y a Alors, le bébé ne l'a pas touché. Non, parle français. Tu es madame docteur, médecin. Pourquoi tu n'as pas touché le bébé? Tu l'as gardé comme ça. Tu l'aimes bébé pour pas la salir. Où sont tes parents? Tu es sûr que tu es médecin, médecin, docteur, hein? Donne un biscuit. Vous savez pourquoi je leur donne un paquet de biscuits? Elle est première, c'est ça, non? Il y avait une affaire qui a mis à Douro. C'est pas ça? Ok, donc tiens. Merci. Tous les premiers, on va les récompenser. Ouais. Donne le bonbon. Voilà. Comme ça, toi et ton bébé, vous allez manger ça. Elle a gardé son bébé. Comme ça, lundi, tu vas payer gâteau. Manger. On compte sur toi. Hein. C'est toi qui as fait docteur, fait piqûre ici. Docteur, c'est toi. T'as compris? Si tu dors, tu te réveilles, il faut dire on compte sur toi pour devenir docteur. On peut acclamer madame le docteur. Alors, il faut dire que la vie part d'un rêve. Ceux qui sont devenus présidents, ils ont rêvé d'être président, ils sont devenus présidents. C'est ce qu'on appelle la vision. Ouais. Si tu n'as pas la vision de ce que tu veux être demain, alors tu ne réussiras pas. Alors, elle avait devenu docteur. D'abord, il y a eu nous croyons son rêve. Maintenant, pourquoi la n'a pas été là? Madame docteur. Non. Alors, elle est dans la même famille que moi. Hélène, Longue, Lama. Voilà. Pourquoi nous, les Lamas, on est fort ici? Madame docteur, ça va? Rendez-vous dans 20 ans, c'est pas ça? C'est la vérité, rendez-vous dans 20 ans. Comme ça, tu vas venir, on va dispenser, on va tous voir, tu vas venir faire piqûre. Merci. À l'école, il faut travailler. Il ne faut plus t'amuser.
Façon, tu as gardé le bébé propre. Faut garder ton intelligence propre. Si vous n'assumez pas vos responsabilités, demain nos enfants seront des délinquants et il y aura des banditismes, des braquages, des rébellions, etc. Quand l'enfant, c'est pour ça que c'est très important, quand nous venons devant le drapeau, il faut enseigner le civisme à l'enfant pour qu'il respecte le bâtiment de l'État, pour qu'il respecte le chef de l'État, pour qu'il respecte tout ça. Donc c'est l'éducation. Il ne faut jamais négliger l'école qu'on vous a présentée. Parce que les enfants peuvent voir une école comme une mode. On peut envoyer un enfant à l'école et puis voir ça comme mode parce que son frère ou sa soeur va à l'école, donc il aimerait rentrer dans le système. Notre ONG, il n'est pas que seulement qu'en Guinée. Nous sillonnons. J'ai connu le Gabon, j'ai connu le Mali, j'ai fait un peu beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, j'ai un orphelinat. J'ai pu prendre des enfants de la rue et faire d'eux des meilleurs. C'est tellement simple. Un enfant, il faut le formater, il faut le transformer, il faut le mettre dans les conditions. Et donc, quand Bouli m'a adopté, alors, on commence par l'exemple de Bouli. Il y aura une prise en charge de l'ONG qui va commencer à les suivre. De telle sorte que si j'ai un problème de santé, nous les prenons en compte. Il faut dire que Dion est en partenariat avec une clinique. Donc si un problème de santé, nous les prenons en compte. Si dans nos sujets sont dans les meilleures conditions de vie, ils donneront le maximum de vie. Et ça, moi j'y veillerai la maison. D'accord? Parce qu'il faut qu'ils soient eux, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient bien. Ça fera bon qu'ils ça fera bon. Parce que sur eux-là, ils vont fabriquer des malheurs pour eux. Nous voulons l'avenir des enfants. Dans les locaux de l'ONG Espoir de vie, Binta Diallo reçoit son certificat de prise en charge. Le président fondateur de cette organisation donne les motivations de ce geste humanitaire. Nous venons pour aider les femmes pour réaliser un projet. Et je vois une femme qui est malade, surtout la goitre, tout ça. Donc je la voyais, elle était un peu gênée. Voilà, elle était un peu gênée. Donc moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, il faudrait qu'on puisse vraiment l'aider pour qu'elle puisse se sentir mieux dans le milieu, dans son milieu. Alors, elles ont eu cette présence d'esprit. La présidente des femmes veuves musulmanes. Voilà, il faut dire que la femme, elle est déjà veuve. Donc ça nous intéresse de la porter, de l'assistance. Parce que ce sont pour nous, en tant qu'ONG, c'est des personnes cibles. Et c'est comme ça, j'ai pris l'engagement. Il faut sauver cette vie. Après la signature des protocoles d'engagement, Binta Diallo et sa famille sont conduites à la clinique où elle doit subir une intervention chirurgicale. Ici règne un climat d'espoir et c'est dans cet hôpital où tout devra se dérouler. Maman, vous le reconnaissez, bonne arrivée. Mettez la monitoring. Tout ce qui est lié à l'intervention, aux soins, ça sera à notre charge. Les médicaments, tout sera à notre charge. Voilà. Et après tout, on va élaborer une facture et on va vous les transmettre. Donc je suis vraiment content. On prie Dieu que les personnes ou docteur qui va diriger l'intervention, que le Seigneur l'assiste, que Dieu l'assiste, que le Tout-Puissant Allah l'assiste pour que les choses se passent très bien. Elle vit avec cette hypertrophie depuis plus de 20 ans et pourrait connaître de graves conséquences sur sa santé.
Mais pour elle, l'assistance de l'ONG Espoir de Vie est plus qu'un soulagement. Je suis très contente. Je remercie le donateur. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon qu'un grand merci. Je prie Dieu que l'opération se passe bien. Je me confie à Dieu, parce qu'il est le seul sauveur. Grâce à un accord de partenariat entre Espoir de Vie et cette clinique privée, cette veuve aura bientôt une vie normale. Et il faut dire que l'ONG Espoir de Vie mène depuis des mois des actions d'aide humanitaire et de maintien de la paix en Zéro-Corée. Dès 10h de ce samedi 17 avril 2021, ils sont venus de partout, les chrétiens, musulmans, femmes, veuves issues des deux confessions religieuses, à prendre part à une rencontre de l'ONG Espoir de Vie, sise dans le quartier au sud, contigu au motel Diamond, une organisation non gouvernementale évoluant dans le cadre humanitaire à travers l'insertion des enfants délinquants prenant la rue comme leur lieu de refuge, ainsi que l'assistance aux femmes veuves dans des activités génératrices de revenus. Joël Crasso est le président fondateur de l'ONG. Je suis là aux côtés de la Guinée et surtout dans la zone forestière pour réaliser le rêve. S'occuper des veuves, des orphelins, les accompagner dans leurs différentes activités. Et nous avons créé les micro-projets ici afin de pouvoir amener le Guinée à comprendre qu'à partir de la Guinée, on peut s'enrichir. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Je vis en France. Mais écoutez, la France, il y a des réalités. Mais en Guinée, il y a de la richesse. Il faut amener les gens à comprendre qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Pour M. Crasso, les femmes veuves et les enfants abandonnés constituent la cause la plus vulnérable qui mérite un soutien. On a des orphelins, d'accord ? On a des personnes vulnérables, voilà, des personnes en difficulté, les handicapés par exemple, auxquels nous pouvons assister rapidement, les personnes qui, franchement, qui sont démunies, voilà, les enfants de la rue par exemple, et des veuves, des orphelins et des gens qui ont envie de réaliser un projet qui n'arrivent pas à le réaliser. Voilà, si nous constatons ça et nous nous investissons à fond, parce que nous sommes là justement pour aider. J'ai dit qu'on n'a pas forcément besoin de tendre la main à l'extérieur, n'est-ce pas, à partir de la Guinée, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des pays africains, on peut s'enrichir. Dieu nous a tout donné et le meilleur continent, c'est le continent africain. Quant à Adja Awa Baldé, présidente des femmes veuves, se dit très satisfaite à prendre part à cette rencontre. Satisfait à venir d'un titre. D'abord, le fait que toute sa lutte, c'est pour le maintien de la paix à Zéro-Corée. Nous avons tous entendu son message. Nous sommes vraiment satisfaits de ce acte. Parce que nous, aujourd'hui, tout bon Guinéen, nous qui vivons à Zéro-Corée, notre souci, c'est la paix. La paix entre les différentes communautés. Et lui, puisque c'est son message, c'est son défi qu'il a lancé, nous allons l'accompagner. Nous promettons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons travailler avec M. Crasso. Il est à retenir que cette rencontre de prise de contact a pris fin dans un climat de paix, de joie et surtout de prière qui va désormais servir d'ouverture aux activités à venir.